Secret Story 11, Alain manipulateur, mauvais pour Laura. Marie s'exprime enfin. Jeudi 7 décembre 2017, les anciens locataires de la maison des secrets fêtaient la victoire de Noré, grand gagnant de Dièse et Secret Story 11, mais aussi leur sortie. Après 3 mois d'enfermement, Charlène, Barbara, Noré et Laura ont rejoint leurs camarades dans une fête organisée après le prime. Marie, la meilleure amie de Laura, était bien évidemment présente pour accueillir sa copine, mais tout ne cesse de pas passer comme elle le prévoyait. Marie très déçue de Laura depuis sa sortie. En effet, Laura aurait totalement snobé Marie vidéo, et serait restée collée à Alain, avec qui elle s'est mise en couple dans le jeu. Une attitude hautaine et injuste que Marie n'a pas supportée, elle qui a fait de trajets, à ses frais, depuis le sud de la France et réservé une chambre d'hôtel pour passer la nuit avec son amie. Marie s'est alors retrouvée seule et en larmes en rentrant de la fête. Du moins, c'est la version qu'elle aurait livrée au blogueur Jerem Star le soir même. Mais pour les internautes à l'œil aguerri, Marie aurait menti et monté un coup contre Laura par jalousie. Alors que la grande blonde assure que Laura ne lui aurait pas adressé la parole de la soirée, des photos et des vidéos attestent le contraire, comme ces snaps de Julien Jeloen où l'on voit clairement que les deux amis dansaient ensemble. Pourquoi Marie aurait-elle menti? Marie s'en prend sévèrement à Alain. Trahie et rejetée par sa meilleure amie qui privilégie sa relation avec Alain, Marie aurait exagéré pour faire passer Laura pour une snob à qui la médiatisation serait montée au cerveau, comme Camilla qui a pris la grosse tête. Mais hier, sur son compte Snapchat, Marie tient à s'expliquer et met en garde ses fans contre le petit ami de Laura, et c'est très inquiétant. Après avoir affirmé qu'Alain achète des followers sur Instagram vidéo, elle affirme que c'est un manipulateur et une mauvaise personne pour Laura. À la soirée du prime, j'étais contente de retrouver Laura, mais Alain est quelqu'un de très manipulateur et très mauvais, et qu'il est en train de complètement lui retourner le cerveau. J'ai vu son vrai visage jeudi et c'est quelqu'un qui est très mauvais. Il est venu en France pour faire son deuxième but après l'Espagne. Il a vu que Laura avait une grande tine derrière elle, et comme elle est enfermée depuis 3 mois, elle est complètement perdue et Alain l'a accaparée. Elle se retrouve avec des gens qu'elle ne connaît même pas au lieu d'être avec sa famille. Et d'ajouter, c'est très grave, il essaye de casser notre amitié par tous les moyens en faisant croire que je ne la soutenais pas à l'extérieur. En réalité, le mec est jaloux et veut faire son but par derrière. Il a planifié tous ses rendez-vous. Il a un ego surdimensionné. Je suis choquée et j'espère qu'elle ouvrira bientôt les yeux.